Bonjour, bonsoir, bonne nuit, bon appétit, bienvenue de retour sur The End is Nigh. Et on est là pour faire le dernier chapitre. On est là pour le terminer, je me remets là-haut. Et Nevermore, cette fois-ci on a 35 vies. Donc là, normalement, on devrait pouvoir y arriver. Voilà, allez, c'est là-bas. Oh, sa gueule. Ok. Bon. Alors, la dernière fois, on en avait chié. Nevermore en une vie. Bah, la dernière fois, on avait essayé de le faire en une vie, jusqu'à ce que je me souvienne que... il y avait des trucs à récupérer. Et je sais plus. Oh, putain. Alors que je me souviens en avoir chié, hein, pour arriver jusqu'ici. Ok. 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 Ah ouais, il y avait un setup, je m'étais fait un setup à la con. Je sais plus ce que c'était. Olé. Et je reste... impossible. Oh putain! Oh putain, c'est passé! Ok. Ah. Fini la musique, on lui dit bonheur! Merde, j'avais oublié qu'il y avait des stalkers. Je l'ai dans le cul pour ce moment-là. Oh, excusez-moi, je suis fort malade. Olé. Oh, j'ai réussi. Là, petit saut de merde. Ah ouais, putain. C'était ce petit saut de merde qui m'avait fait criser aussi à la dernière fois. Je m'en souviens maintenant. Ça me revient petit à petit. J'ai toutes mes rages qui reviennent en moi. Oh putain, c'est passé. Ok. Ah putain. Faut que j'attende. Ou alors faut que... ah. Faut que j'en saute comme ça. Ah putain, d'accord, ok. Je comprends. Petit saut de merde. Tac. Au-dessus d'une boulette, merde. Petit saut de merde. Tac. Au-dessus d'une boulette. Tac, on s'accroche et après il faut que je repasse au-dessus d'une boulette. Tac, saut de merde, au-dessus d'une boulette. J'ai trop de temps. Tac. Ah, allez. Tac, au-dessus d'une boulette. Tac. Ah, comment j'ai fait pour arriver jusqu'ici sans perdre une vie? Ah putain, j'étais pas bien. Saut de merde, tac. Tac, saut de merde, tac, au-dessus d'une boulette. Allez! Pardon, excusez-moi. Non, j'étais pas sur la même strat. J'étais pas sur la même. Faut que je fasse mini saut si je passe directement sur le coup en fait. C'est pas vrai, bien ce que c'est. Oh putain, c'est passé cette fois. Ah, j'en reviens pas. Ah putain. Faut que je monte d'un cran. Voilà. Hop là. Non, je s'étais donné. Je me suis pas. Ah. Hop, au-dessus de la boulette. Tac, tac. Hop, au-dessus de la boulette. Tac, je passe ici. Non. Je remonte d'un cran. Tac, tac. Hop, au-dessus de la boulette. Je passe ici. Hop, je remonte d'un cran. Je passe au-dessus. Là, et là, je peux monter. Fou. Oh non, pas ça.
Ah oui, d'accord. C'est pas si... Ah oui, quand même. Ah, allez, s'il te plaît. Je vois le chat qui défile, je suis sûr qu'ils sont en train de décompter mes vies, c'est con. Merde! Tac, 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 tac. Hop, hop! Yes! C'est un tir, ça? Oh, but! Oh non, il y a un stock! Le roi du direct. Oh, putain! Ah oui, ça passe. Ça peut. Putain, j'ai réussi! Mitraillette. Oh non, il y a des trucs sur moi! Ah, donc ça passe. Ouais. On peut passer par-dessus. Non, ça passe pas. Ah la vache! Ah oh, putain! Ça va être compliqué, ça, ça va être compliqué. Qu'est-ce que tu me disais tout à l'heure? Prends le carré noir et ressaute direct. Ah pas con. Je ressaute en arrière et le fais. Oh merde, je crois que j'étais safe ici. Je ne suis pas. Merde. Oh, je suis safe sur le premier. Je suis safe ici. Je suis safe ici. Non, je suis pas safe ici. Ah la vache. Bah faut que je fasse exactement la même chose en fait. Je retourne en arrière, j'atterris ici, puis après je tourne sur le côté. Non ! Ah, c'est une qui repasse. Oh la vache, putain ! C'est petit saut sur petit saut. Tout est minutieusement calculé pour nous casser les couilles. Ah, ouais. Ouais, non, ils sont trop loin pour qu'on puisse les revenir directement par le bas. Ah! Ah! Ah, par contre! Ah, d'accord, je comprends. Parce que comparé à l'autre, j'ai pas de protection contre le tireur une fois que je me remets sur la corniche. Du coup, ce qu'il faudrait, c'est s'accrocher. Oh la vache, c'est s'accrocher. Ok. Ah, ah. Oh. Il faut que je monte sur le truc. Oh, le saut est chiant. Attaque. Tac, tac. Là. Se laisser tomber, se laisser tomber. Micro aussi, ok. Oh merde! Putain!
Ah, cornichon. Série de petits sauts qui est très complexe. Ah putain! Je peux pas m'accrocher à la corniche. Je suis obligé de faire un petit saut. Non, vraiment minuscule. Je sais pas comment je peux faire. J'ai l'impression que je peux pas m'accrocher à la corniche, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, je peux pas m'accrocher et sortir direct. Je vais essayer en me laissant tomber. Merde. Putain. Saut en haut et se laisser tomber après. Non, le saut il est très lourd. Tu tombes vraiment vite. J'aurais pas le temps de manœuvrer autant à gauche. Ah non, c'est se laisser tomber. Simplement. Ok, les stalkers prennent. Ah merde! Je commençais par celui-là. Ensuite celui-là. Pourquoi je vais là, moi? Je me cogne à chaque fois. Oh là là, c'est mort, c'est mort. Fallait que je monte plus haut. Oh là 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 là. Et du coup, bah, tant pis, hein, tu prends sur toi et. Bien. Yes. Oh trop lol. Oh lol. Putain, il y a des corniches en plus, on sort de l'eau. Oh. Ça, ça va être un niveau drôle, ça, tu vois. Oh là là. Tu dis ça parce que t'es en colère. T'as vu faire ta gueule. Ah, merde. Ah! Ok, 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 ok. Il y avait un truc que j'avais pas saisi. C'était que je peux faire ça. Ça, ça. Hop, se laisser tomber. Et hop! Ok, il y a les deux trucs qui vont shooter. Oh l'enculé! Oh! Merde! Oui! Dernier écran! Oh! Merde! Oh non!
Non, j'ai sauté trop haut. Ah. Putain. Au bord. Ah. Et puis en plus les vies qui défilent, ça me stresse. Ah mais ouais, je peux me mettre en corniche en fait. Ah putain. C'est vrai qu'il est dur le dernier. Non, je peux pas me mettre en corniche. J'aille vite, c'est tout. Direct derrière. Ah! Non, ça va pas. Ah putain! Non, non, mais ce jeu il est très très frustrant. Très 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 frustrant. Ce niveau, je comprends toujours pas comment le passer vraiment. Ok. Ok. De bonobo capuche, hein. Je suis désolé les amis. De bonobo capuche. Parce que j'ai envie de le passer ce niveau. L'esprit de Macmillan est avec moi, les amis. C'est un perfect jusque-là. Ok, c'est pas mal. Hein. Du coup, ça me laisse un bon taux d'essai sur le 7, 10 et 15. Et celui-là, c'est le 7. Ok, c'est bon. Ok, 8. Neuf, il y a juste à faire un saut de corniche dégueulasse. Merde! Putain, il m'a fait un truc bizarre. Là, c'est bon. Ok. 10. Ça demande à faire les mêmes sauts que le 15 en plus, le 10. Hein. Des sauts super tight. Oh merde! Je croyais que je pouvais y accéder. Économiser les ennemis. Ok. 11. Alors, 11. Je sais quel chemin prendre. Je ne juge pas se bourrer. Surtout ici. Voilà. Et 12. Ah merde!
Ces bruits, c'est dégueulasse. Ok, 13. Ok. 14. First try! Yes! Now, the only thing I remember from before the end was on my right thumb. One day I slammed it in my car door and it half tore the nail off my thumb. It hurt like a bitch. Over time, like a week or so later, this little new nail started to grow underneath, and it was pushing the old nail out. It was just like hanging off. Like, it was, you know, it kept getting caught on my clothes, and I'd roll over when I was asleep, kind of would hurt. And I just got aggravated and sick of it. And one day, I just tore the nail off, and there was this little tiny shriveled thumbnail underneath, all gnarled and disgusting. I was wondering, you know, was it ever gonna grow back? Right? Was my thumb ever gonna look normal again, or this is just gonna be my thumb now for the rest of my life? I was picking at it when the bombs fell. Et c'était la true ending, bordel de merde, la fin la plus mauvaise du monde. Ok. Oh. Ah. Et voilà. Et c'est marrant parce que le petit personnage qu'on voyait monter sur le côté comme ça, c'est le personnage principal de Time Fork, un autre jeu de Macmillan qui est très bien et qui est du puzzle pur. Par contre. Ah là là. Oh, plus jamais. Putain de plus gros GG que je t'ai jamais envoyé. Merci, mec. Ah, merci à tous. Ah, et on finit avec Eric Satie en plus. Bon, on les a déjà vus en plus, ces petits ennemis-là. Alors, je crois que de mémoire, en plus, on débloque absolument rien. Alors si, on débloque une chose. Parce que, je sais pas si vous avez remarqué, mais juste avant que je prenne le... Voilà. Eh ben, j'ai récupéré une cartouche. H. Et cette petite cartouche, c'est le dernier niveau qu'on n'avait pas débloqué dans les trucs 8 bits. The End. C'est les niveaux en pourcent qui sont des niveaux ultra infaisables, mais avec vie limitée. Ah bah voilà, je le donne en plus. C'est des niveaux infaisables, voilà, c'est celui-là. Le dernier, The End Is Nigh. Qui sont des niveaux en fait ultra, ultra difficiles, mais avec vie illimitée. C'est-à-dire que vous avez un écran à faire, putain de dur. Et mais vous avez autant de vie que vous voulez, vous pouvez recommencer autant que vous voulez. Et à chaque fois que vous passez à un deuxième écran, un écran suivant, pareil, vie illimitée, et à chaque fois que vous mourrez, vous retournez dans cet écran-là. Et c'est... Mais c'est à s'arracher la tête. Donc c'est vraiment des sauts millimétrés. À côté, ce qu'on a fait là, c'est beaucoup plus simple. Mais dites-vous que voilà, c'est comme si par exemple on restait sur le même écran et puis que les sauts étaient beaucoup plus tight. Et je sais pas si vous vous rappelez, mais... la dernière cartouche qu'on vient de récupérer, celle-là, là, qui est toute glitchée, la dégueulasse, là, que vous voyez, là, The End Is Nigh, c'est en fait la cartouche du début du jeu. Vous savez, quand on a fait une nouvelle partie, au début, on a commencé, puis on jouait à un jeu, et c'est le jeu qui était « oh fuck !» parce que la cartouche qui était qui marchait plus, et bah c'est celle-là. Et c'est des sauts qui sont ultra difficiles à faire, super tendus, etc. Mais voilà. Alors, est-ce qu'on les fera un jour? Peut-être. Je pense que oui, mais bon, c'est genre un stream pour un ou deux niveaux, quoi. C'est super long. Denial, anger, bargaining, depression, et ça, on les fera peut-être, pas sûr.
Acceptance et Super Mega Cards, ça non, je pense pas qu'on les fasse. Parce que c'est beaucoup trop dur. Bon bah YouTube, en tout cas ça s'arrête là pour toi. J'espère que tu as kiffé. Si c'est le cas, évidemment, tu mets un pouce, je te fais un doigt, je te fais plein de gros bisous. Je te dis à la prochaine. Ciao.